Et hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je remarque que ça fait très longtemps. Ça fait je crois deux mois et demi. Ça fait un peu beaucoup je sais. Et c'était avec la fin des grandes vacances, on reprend le collège, c'était un peu dur de sortir quelques vidéos je l'avoue. Mais bon, je reviens en force et c'est pour la présentation du One Piece 85 qui est là, voilà. Bon, je remarque que dans certaines vidéos, je n'ai pas enlevé le prix. C'est très embêtant, vous voyez bien. Le prix. Voilà. Normalement. Hop, voilà. C'est le prix habituel des One Piece. Et voilà. Donc, vient la présentation de ce One Piece, hein, 85, qui est sorti il y a 2 jours, je crois, oui. Il devait sortir, d'après mes calculs, il devait sortir le jeudi 5 janvier, si je dis... Non, je n'y vais là. Ah oui, il devait sortir aujourd'hui, vendredi 5. Enfin, d'après mes calculs, parce qu'il était sorti 3 mois après le 5 octobre dernier. Devait sortir aujourd'hui, normalement. Il est sorti mercredi, il est sorti le 3. Donc je suis allé chercher le 3. Et je l'ai commencé, enfin comment dire, je l'ai lu à moitié. Voilà, je l'ai lu complètement à la moitié. Donc voilà, il est franchement bien. Hein, je m'attendais à avoir beaucoup d'action et au début c'est un peu lent quand même. Ça débute un peu, mais après il va y avoir beaucoup d'action. Enfin... Je décris un peu l'action, enfin, sans vous spoiler trop le livre. Ça va être le mariage entre Sanji et Pudding. Et en fait, Pudding a des, comment dire, des talents cachés, des talents manipulateurs cachés. Et vous allez le voir que vraiment très manipulateur. Et elle a un pouvoir très spécial. Donc vous verrez ça dans One Piece 83, 85, je veux dire, à vous de l'acheter. Voilà. Une autre petite précision, c'est que en fait Noël est passé et on va pas rester franche, hein, le Père Noël est passé. Nous avons eu quelques cadeaux, je pense, chacun de nous a eu au moins des cadeaux qu'on commandait, qu'on a forcément demandé. Et moi, j'avais pas forcément demandé ça, mais je suis bien content d'avoir eu un logiciel de montage. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, un beau logiciel de montage. Et le seul bémol, c'est que depuis le temps que je fais mon montage avec comme entredit. Movie Maker. C'est pas de la haute, hein, c'est juste que je fais des petits montages vite fait. Après, je pourrais peut-être me mettre au montage supérieur avec ça. Même peut-être au gros montage, mais pas. Voilà. Pas, on va pas dire jusqu'aux 10 images de synthèse, mais montage secondaire, on va dire. Après, montage évolué. Et voilà, donc c'est la version vidéo Magic Video Deluxe 2016 Premium. Donc voilà, je devrais faire des bons montages avec, hein, parce qu'il y a une belle présentation et tout, c'est vraiment sympa. Donc il y a le CD dedans, je peux l'installer, je peux même avoir des extensions et même faire de la qualité 4K. Enfin, 4K, pas 4K Ultra HD, mais surtout 4K. Ça demande un ordinateur assez puissant. Mais sinon, je peux installer la version normale. C'est tout simple. Sauf que l'ordinateur que j'ai n'est pas assez puissant. Donc j'attends de financer un autre ordinateur pour vous montrer des montages un peu plus évolués, un peu plus construits. Voilà. Donc c'était la petite précision que j'ai eu ce logiciel à Noël. J'en suis très content. Voilà. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et moi je vous dis maintenant, bonne game à tous.